Bonjour à toutes, je suis Delphine Boileau-Terrien, experte auprès des femmes de challenge qui veulent vivre du job qui leur colle à la peau sans jamais avoir à se vendre. Alors aujourd'hui, je voulais vous parler d'un sujet vraiment très intéressant qui est l'argent. L'argent, c'est toujours un sujet très sensible, voire même tabou pour certaines personnes et dans certaines sociétés. La France en fait partie. On ne parle pas d'argent, on ne parle pas de combien on gagne, c'est vraiment tabou. Donc, je voudrais vous parler aujourd'hui d'une petite partie de ce que ce grand domaine de la relation à l'argent pourrait être. Parce que ce matin, j'ai eu une séance avec une de mes clientes. Et c'était une première séance parce que donc, je travaille dans le cadre de mes accompagnements sur la relation à l'argent. Et je voulais partager avec vous une perception, une compréhension de ce que c'est que l'argent. En fait, c'est un flux d'énergie. L'argent, en fait, c'est un flux d'énergie. Et les personnes qui en gagnent beaucoup, puis je dirais qui savent en générer, qu'est-ce qu'elles ont comme croyance, comme conviction? C'est que l'argent est une énergie. C'est ce sur quoi on travaille dans le cadre de mon accompagnement. Puis je dirais que l'argent, c'est un peu comme travailler sur sa confiance en soi, c'est énorme. Et donc, en fait, une des premières choses que je fais faire à mes clientes, c'est d'acheter ce que j'appelle donc un cahier de gratitude ou un cahier des petits bonheurs ou un cahier des merci, enfin bref, peu importe le nom. C'est un cahier qui, au-delà de l'outil en lui-même, permet de se concentrer sur ce que nous possédons déjà, sur la vie qui a déjà un sens pour nous, puis être en conscience de tout ce qui nous arrive finalement. Donc il y a des choses qui nous arrivent directement après avoir posé une action, puis d'autres qui sont des effets ricochés, ou des choses qui nous arrivent et qui sont juste des petits bonheurs, comme faire un gros bisou à nos enfants le matin, et puis particulièrement ce jour-là, c'est vraiment plus savoureux qu'un autre. Donc cette capacité à être dans cette posture de gratitude, c'est vraiment quelque chose qui génère justement cette émotion, cet état, cette posture qui va permettre de faire venir plus d'argent. Et je dirais même un autre mot que l'argent, c'est l'abondance. L'abondance, en fait, c'est certes de l'argent, mais en fait, c'est beaucoup plus que ça. C'est avoir une vie qui a du sens. C'est ne pas avoir à compter chaque mois pour pouvoir vous offrir la voiture que vous voulez, les vêtements que vous voulez, bref, avoir la vie que vous voulez vraiment. Et donc l'abondance serait le mot juste au lieu de parler uniquement d'argent. Et donc en fait, pour arriver à créer cette posture d'abondance, c'est déjà de travailler en soi sur ce qui est le déclencheur. C'est vraiment le plaisir d'avoir déjà une vie qui a du sens et poursuivre cette création de plus de sens chaque jour et de vraiment mettre l'emphase sur ça chaque jour, parce qu'en fait quand on manifeste les résultats ou la vie qu'on veut avoir, c'est grâce au fait qu'on porte un regard sur le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide, parce qu'on est dans une posture d'abondance déjà dans sa tête pour en créer plus. Alors que si on est dans une posture de manque, on ne peut quelque part que créer plus de manque. Parce que ce qu'on dit en fait, les yeux et les oreilles recherchent ce que le cerveau croit. Ou encore, ce sur quoi on porte son intention grossit. Donc, c'est un travail qui démarre dès le début de l'accompagnement avec moi. C'est de se mettre dans cette posture. Et ça change énormément de choses parce que forcément, il y a beaucoup de difficultés sur le chemin pour être actrice de sa vie / entrepreneur. Et donc, en fait, arriver à déployer plus d'abondance, donc ça passe concrètement déjà par avoir des clientes, c'est être dans cette posture déjà de gratitude vis-à-vis de la vie, de ce qui arrive, et aussi de contribution. Quand on est dans cette posture de contribuer, être au service de ceux qu'on est appelé à servir, et d'être dans le plaisir de le faire, parce que c'est là finalement qu'on vibre vraiment, c'est là qu'on se sent à sa place, qu'on se sent utile, et bien de faire de plus en plus de ça, va générer du coup plus de clients, et donc plus d'argent, et d'abondance, si vous me suivez. Et c'est vraiment une
voilà, travailler son état d'esprit, travailler sa posture et sa perception par rapport à l'argent et la symbolique qu'on va y mettre pour être capable du coup de générer plus que de l'argent, mais de l'abondance. Et donc c'est ce que je voulais vous partager aujourd'hui parce que je pense que c'est relativement clé pour démarrer et comprendre en fait qu'est-ce que c'est finalement que l'argent et comment en tous les cas avec ces deux, je dirais donc un, l'outil qui vous permet d'être dans cette posture de gratitude et par quel biais ou par quelle posture avoir, donc cette posture de contribution pour pouvoir générer plus de clients, donc d'argent, donc d'abondance. À l'inverse, les personnes qui seront uniquement focalisées à avoir des clients pour gagner de l'argent sont souvent des personnes qui travaillent énormément, qui certes peuvent gagner de l'argent, mais qui n'ont pas le sens, n'ont pas de sens dans leur vie, ne sont animées que par gagner de l'argent. Or, c'est bien plus que ça, et donc je voulais vous partager ces éléments pour vous. J'imagine que ça fera déjà la différence parce que ça l'a fait ce matin avec ma cliente, ça l'a fait aussi pour moi, parce que forcément je travaille sur cette relation à l'argent pour moi déjà avant de le transmettre. Et ce que je vous ai partagé aujourd'hui a vraiment été aussi clé dans mon approche et la croissance de mon entreprise. Donc si c'est un sujet sur lequel vous sentez que vous avez des difficultés aujourd'hui et qui ralentit, voire ne permet pas à votre entreprise de décoller, ben, je vous invite à avoir le forfait décollage, puis considérez prendre un rendez-vous pour une séance gratuite parce que à travers ce programme, vous allez aussi désamorcer pas mal de verrous en lien avec votre relation à l'argent. Voilà, ben, j'espère que ce contenu vous aura intéressé, aidé ou éclairé. En tous les cas, je l'espère et je vous dis à bientôt. Au revoir!